aujourd'hui que les hommes naissent égaux devant la loi. Oui, et devant la loi, ça aussi, ça a vérifié. Mais certaines personnes naissent avec beaucoup de difficultés physiques, morales, sociales. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre des Atégan une demoiselle du nom de Kipri Nani Amélie, connue sous le nom de la vieille mère Nouchi. C'est la même qui a fait la France, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Finlande. Recevons ici et mademoiselle Kipri Nani Amélie du nom de la vieille mère Nouchi. Prénané Amélie, dit la Bémenouchi, vous allez bien? Très bien. Monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Aujourd'hui, vous êtes à l'émission Atégan. C'est une émission où on se lâche, on ne se contient pas. C'est-à-dire on dit tout ce qu'on a vécu dans la vie, les difficultés, ça peut servir à que certaines personnes de soi se relever. Dites-moi déjà, quel est votre parcours scolaire? Bon, mon parcours scolaire a été vraiment positif. Mm-hmm. À l'époque, bon, j'ai fait ma première année, 1970, d'accord, à l'école régionale du Commency. D'accord. Bon, à l'époque, on n'écrivait pas. Moi, ma première année, mm-hmm, on nous a donné des encres, l'encrier avec les plumes. Mm-hmm. Et bon, ça n'a pas marché pour cette école, et ils ont changé. D'accord. Et à l'époque aussi, on ne portait pas aussi des habits carreaux. Mm-hmm. C'était habits bleus purs. D'accord. Donc, voilà. Et c'est comme ça, je suis parti à l'école. Et vous êtes arrivé jusqu'à quelle classe? Au CM2 en 75, à l'école collective. J'étais à l'école régionale et j'ai botté un petit là. Et botté. Ça veut dire à chaque moment, il me provoquait fille garçon. Mm-hmm. Alors donc, quand moi, il est pris, il est tabac même. D'accord. Donc, ils m'ont renvoyé à l'école et les parents m'ont mis dans une nouvelle école qu'on appelle école collective. D'accord. Et psychologie. Donc, si je comprends votre niveau d'études, c'est le CM2. Oui, le CM2. D'accord. Mais vous êtes venu avec un bâton, je ne sais pas, ça symbolise non, quoi? Non, ça, c'est un mouvement de bande de bois. C'est nous les Zigéi là. C'est le Yéreni quoi. Mm. Toi, quand tu sais ça là, quand tu me donnes là, elle est dans ma paquet. Donc, c'est un mouvement de bande. Mais pas ça pour me. Pour te sécuriser, voilà. Pour te sécuriser. Voilà, pour me, voilà. D'accord. Et les quoi? Ça. D'accord. Donc, sur ma feuille, on m'a dit que tu as fait la France, tu as fait l'Allemagne, tu as fait le Danemark. Comment est-ce que ça est arrivé que tu as quitté la Côte d'Ivoire pour ces pays-là? Bon, quand j'ai laissé l'école, j'ai pratiqué un peu les arts martiaux. Mm-hmm. Et bon, malheureusement, je me suis marié. Bon, les morts même, en tout cas, il n'y a pas eu l'oc à eux. Donc, on perd son âme, j'ai mon grand-père. Ah, j'ai pas compris. Vous êtes marié avec eux, c'est-à-dire que vous êtes marié. Oui, j'ai fait des enfants, deux, trois. Tu sais, habillé, il n'y a pas les bons morts. C'est un temps. C'est qui est-ce que j'ai fait les enfants, même. C'est qui est-ce qu'il y a jamais. Des enfants au mariage ou des enfants au mariage? Ah bien, si tu as eu l'autre, tu as eu mariage, mais il faut dire, c'est ton doigt où. C'est qui est-ce que j'ai fait enfant? Dans l'extrait de naissance, ils ne vont jamais dire enfant bâtard. On dit enfant de. Enfant de. Donc c'est après ces enfants-là que tu as décidé de partir en voilà, France. Voilà, en 87. 87. Voilà. Déjà, je suis déjà parti en 87. On n'appelle pas ça la France. On appelle ça Anouchi Yorosumani. D'accord. Voilà, ça veut dire l'Europe, quoi. Mm-hmm. Voilà. Si tu veux généraliser, on appelle ça Yorosumani. D'accord. La France, Allemagne, Danemark, Norvège, Angleterre, tout cela j'ai fait et je vendais des images. Vous vendez de quoi? Les images. Des images. Oui, la peinture, les chevaux, la pirogue, la femme qui pile le mille, tout ça, les choses. Africaine quoi, les images africaines. Et quand tu arrivais en France, c'est chez qui tu étais? J'étais chez mon grand frère, j'étais à Metz. À Metz et puis j'étais à Strasbourg. C'est de là maintenant, nous sommes allés maintenant en Allemagne, à Hambourg, Lübeck. C'est de Lübeck, nous sommes descendus maintenant au Danemark. Mais j'ai pu se durer en Norvège et puis en Finlande. Et dans tous ces pays-là, tu avais des parents là-bas ou bien tu es parti dans l'inconnu comme ça? Je suis allé avec mon frère. Même présentement, mon petit frère, il est. Aujourd'hui, il est en Angleterre, à Alwick, c'est-à-dire au port. D'accord. Voilà, Alwick. Et puis maintenant, il est allé à Londres Centre. Mm-hmm. Il est professeur là-bas. Mm-hmm. Voilà, ça, c'était avec lui. Mais malheureusement, c'est perdu de vue. Bon, il ne s'appelle plus. C'est pas sa position. Bon, c'est dans ça, il dit, il va arriver au village, en Batanico, ça veut dire en Côte d'Ivoire. Déjà, tu as fait combien d'années là-bas, dans ces pays-là? J'ai fait plus de 4 ans, 4 à 5 ans. Et ça n'a pas marché, tu as décidé de revenir? Non, c'est pas parce que ça n'a pas marché. Ça a marché, parce que moi, je vendais les images.
de la Finlande, je suis descendu en Belgique, à Bruxelles, à la gare de midi. J'ai pris un ami qui s'appelle Gertouna Bernard, qui était le président de tous les Ivoiriens en Belgique. On était à la gare de midi. Et malheureusement, il est décédé. Et c'est de là que je suis venu maintenant en Côte d'Ivoire, venir passer le congé avec les parents. Mal connaître les villageois, moi je me suis l'horreur, j'ai acheté des choses pour les... Je me suis bluffé, j'ai acheté des choses, donné à mes parents. Tu montres aux gens que tu as quitté en voilà, Europe. En Europe. Mmh. Alors que c'est les Maroc sans tournant. Les Maroc sans tournant, ils ce sont les sorciers. Sans tournant, ça veut dire les gens qu'on n'a pas d'intérêt avec eux. Mmh. Ils sont comme ça, ils m'ont bras, on dit bon, comme tu as tes l'horreur là, quand tu as retourné au Jérusalem, là tu vas voir Varan. Donc je me suis apprêté, habillé, mes camarades, mes parents m'ont envoyé. Ils m'ont accompagné à l'aéroport. En tout cas, je suis bien parti. Mmh. C'est arrivé maintenant à Château de l'Estaing, à ça, Paris. C'est en France. Oui, en France. Mmh. Je prends mon portable, j'ai vu mon portable, mon passeport. Non, c'est pas en France, c'est la chose. Au Danemark. Voilà. Parce que de la France, j'ai pris un visa Schengen. Mmh. Et je suis descendu là-bas. C'est là qu'ils ont pris mon passeport. On me demande, il note hier. C'est en anglais quoi. Et tu ne connais pas de là-bas. Voilà. Il dit, why? Il dit, I'm sending you now, today. Il dit, you send me? This is die for you, for me. Il dit, que tu veux me. Ceux qui sont francophones, ils voilà. Sont dit quoi? Il dit, il va me rapatrier. Il dit, you send me? Il m'a regardé, il va bien. Et c'est ce que tu leur as dit? Oui, mais eux ne comprennent pas. Il dit, mais why il va bien? Il dit, il m'a. Il dit, mais I don't understand, il couvre. Il m'a dit, mais pourquoi? Il parle anglais, moi, il parle d'été, il parle d'hiver, il mélange. Genre pour mélanger les esprits. On dit non, photo là, c'est pas pour toi. Alors que moi, je vois ma propre photo vis-à-vis qui prend Nané Amélie. Mais les Morocs ne sont pas prêts. Moi, j'ai descendu jamais. Les gens viennent, moi, mon passeport, moi, ma photo, je regarde. C'est-à-dire que c'est les policiers regardent et ils ne voient pas. Une autre personne. Mais là, ils ont envoyé maintenant les Africains passer dans les aéroports. Voilà. On met souvent les Noirs. Mm-hmm. Parce que souvent, nous, les Noirs, toi, à l'époque, moi, je peux prendre mon passeport pour donner à ta femme, à ta petite soeur. Nous tous sommes intéressants. Mais ils ont mis la plupart les Antillais, ou bien nos frères Noirs même, vrais, vrais Noirs. Ce sont eux qui vont faire la différence. Si c'est lui ou c'est pas lui. Mm-hmm. Le monsieur, il me regarde, il me regarde. Bon, il s'est dit que c'est moi, mais les bras ne me voient pas. On dit, mais il faut qu'on me rapatrie. Ils ont pris toutes mes empreintes, tout et tout. Si j'ai une fois fait la prison, tout. Je n'ai pas fait la prison, ni rien. Et c'est comme ça, ils m'ont sainte. Et on appelle ça en mot français, badiam serré. Mm-hmm. Les Français appellent ça badiam serré. Quand tu es rapatrié, on appelle ça badiam serré. Et puis, ils m'ont sainte d'Abidjan. Entre temps, je suis revenu. Mm-hmm. Et j'ai quitté jusqu'en 92. Mm-hmm. J'ai grigré encore. J'ai commencé à vendre des choses, des bijoux, des orants, tout. Et puis bon, j'ai économisé mon argent et je suis reparti en Europe. Bon, en partant, et excuse-moi du mot, j'ai eu un copain avec lui, je marchais. Ici ou bien oui. Là-bas? Ici. Ici. C'est-à-dire que quand vous êtes parti, on vous a rapatrié, oui. Vous êtes revenu, vous avez essayé de joindre les deux bouts, vous avez trouvé ici un copain. Un copain. Voilà. Et je suis parti. Arrivé là-bas, j'étais maintenant en Norvège. Mm-hmm. Et j'ai vendu les images. En tout cas, la plupart de tous ceux qui ont vécu en Europe, eux tous, ce sont ils vendent des images. Si tu ne vends pas d'images, soit c'est la prostitution, tu peux te livrer la plonge. La plonge, ça veut dire qu'il y a aussi d'assiettes. Oui, oui, oui. Voilà. Dans les restaurants. Et mon grand frère a vu que j'étais enceinte. Il m'a dit, va faire sauter la grossesse. Moi, je n'ai pas voulu. Ça, c'est étant là-bas. Oui. J'étais ici et puis je suis partie. Et avec la grossesse. 4 à 5 mois. Un coup, je vois que mon ventre a commencé à se développer. Il dit, mais je n'ai pas eu de rapport avec quelqu'un, si ce n'est pas avec lui, une seule idée, pendant des mois. Et j'arrive là-bas. Je me contente. J'étais enceinte. Mon grand frère dit, on va arriver la grossesse. Moi, je n'ai pas voulu. Et puis, il m'a fait rapatrier. C'est dans ça, la grossesse, j'ai quitté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'accouche. Mais comme, étant une femme, je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés. Mm-hmm. J'ai commencé à bouillir. Un coup, je suis rentré dans la vente de la drogue. Parce que nous sommes au campement, à commencer. Mais malheureusement pour moi, je suis fière de moi.
Parce que j'ai vendu la drogue, mais je n'ai jamais fini la drogue. Comme j'ai un sang qui est chaud, donc si je fumais la drogue, c'était la merde. Sinon, j'ai vendu la drogue, j'ai vendu Pao, Kounou, Galan, Groupi, toutes les qualités, même os. Pour pouvoir t'en sortir. Pour pouvoir m'en sortir. Mais j'ai vu que, en tout cas, c'était pas ça. C'était pas une vie. C'était pas une vie de débauche. Et j'ai accepté Jésus. Et c'est là, quand j'ai accepté Jésus, Jésus m'a roulé, il m'a colta, il a bailli dans mon comprano. Et que j'ai vu que vraiment, c'était un soutramant. Et c'est comme ça, j'ai accepté Jésus. Comme ça, je suis quitté. D'accord, donc tu es venu après toutes ces difficultés, tu es venu, tu as vendu la drogue, tout ça, puis après tu t'es ressaisi, tu as rencontré Jésus, et puis après tu es rentré dans le théâtre. Comment est-ce que c'est arrivé, comment ton entrée dans le théâtre? Bon, dans le théâtre, bon, y a, les gens faisaient des théâtres, j'ai dit bon, pourquoi pas, comme j'étais beaucoup comédienne, j'étais beaucoup bavarde, à l'école même, c'est moi-même, je faisais des mises en scène, et c'est dans ça que je me suis mise, et j'ai commencé aussi à courir, à faire le sport. À l'époque, moi, j'ai fait le sport. Tantôt, pour moi, si ce n'est pas on dit, je ne fais pas une publicité, mais au temps de l'ancien maire, Louis Labbé Raymond, j'ai couru pendant 7 ans. On dit faire des maires. C'est moi la vieille Menouchi, c'est moi qui prends coup. Ma Kama n'a jamais gagné dans la course. Même la croix où j'ai venu prendre mon sang pour voir si je prenais la drogue en ce moment-là. Bon, le temps des drogues, ça avait déjà passé, mais je courais toujours et j'ai gagné. C'est comme ça, j'ai laissé tout cela. Non, je veux dire que le théâtre, comment est-ce que ça arrivait? C'est ça que j'ai dit, le théâtre là, c'était autant, bien avant le théâtre, bien avant que je ne fasse même des enfants, c'était autant de Yao Marcus, un baoulé qui poussait, qui soulevait les poids. Oui. Et c'est comme ça, et nous ça a pris, moi je soulevais même des poids. Et c'est dans ça, ils ont fait le théâtre, et puis je me suis intégré dans le théâtre, jusqu'à ce que bon. Comme j'étais seule, je n'avais pas de bonne famille, c'était une famille, en tout cas, j'ai souffert même dans ma vie. Parce que moi-même là, je suis né garçon. Je n'ai pas passé un parcours positif tellement. J'ai toujours dit c'est dans la souffrance, mais je ne me laissais pas. Je priais toujours pour que pour moi je sorte. Je suis jamais allé chez un parent pour demander de quoi manger. Jusqu'à cet âge, je brûle toujours. Je ne fais pas la mère. Mendicité. Voilà, non. Je brûle toujours pour pouvoir. Mais et les parents dans tout ça, tu es en contact avec tes parents? Bon, mes parents, en tout cas, nous sommes les 5. L'aîné est décédé. Celui que je suis, il est au village, il s'appelle Kipré Emmanuel. Moi, je suis jumelle. Lui, il est décédé. Mon petit frère, il est en Europe. Depuis qu'il est allé en Europe, il a mis la croix rouge sur lui. Il ne nous appelle pas. Celui que je suis, lequel je portais, c'était le fils à mon grand frère, où je travaillais avant. Excusez-moi, si je vais rentrer un peu dans la politique, c'était dans la sécurité de Blé Goudé. Et quand on dit on voit des éléments pour prendre, pour être dans les 10, les 3000 éléments, j'ai envoyé beaucoup de jeunes au campement qui se sont inscrits. Pratiquement mon neveu là, lui-même, je l'attends et torche. Depuis l'an 2002, l'enfant il est militaire, il a un bobo, il m'a jamais. Même on l'appelle le couple. Il dit que c'est une maman qui m'a aidé jusqu'à ce que je tombe malade. Mais jusqu'à présent, rien. Donc je suis laissé à moi, je suis livré à moi-même. Bon, j'ai un neveu de 500 ans, on voit les 5 000, 2 000, 10 000. C'est ça que je prends. Donc comme mon papa a eu une cour, tellement que la cour était sale, en tout cas dégradable même. Donc vraiment, j'ai préféré donner la cour à quelqu'un. Il dit, mon papa, tu vas construire. Bon, déjà, moi, j'ai déjà 60 et quelques années. Le gars dit 12 ans. Avant 10 ans, moi, je suis pas morte. Non, faut pas dire ça. Donc, j'ai donné comme ça, là. Donc, je vis avec ça comme ça. Et les enfants que tu as eus avant, dans ta jeunesse, avant de partir en Europe, ces enfants sont là toujours? Bon, mes enfants sont là. La plus grande, là, elle a 47 ans. 47 ans? 47 ans. Elle est mariée? Bon, elle était mariée, mais malheureusement, elle n'est plus mariée. Elle à la maison, il y a une qui est au Maroc, il y a une qui est aide-soignante. Bon, malheureusement, j'ai fait des enfants, j'ai fait 10 enfants. 10 enfants. Il y a 5 qui sont morts, il y a 5 qui sont là. Voilà, le premier lit de Burkina, c'est ma deuxième qui est de 80, et l'autre, elle est de 85, une de 88, le dernier de
Tu n'as eu que des filles? Un garçon. D'accord. Mais ceux qui sont, c'est un garçon, quatre filles. D'accord, mais quand même, ils t'appellent souvent et puis ils te font des... Bon, les enfants sont avec moi ici. C'est le dernier là qui est acteur là. Présentement, personne ne travaille, sauf celle seulement qui est en élève au Maroc. Et puis, il y a une qui fait ex-soignante. Mais dans votre vie, vous n'avez pas, vous n'avez jamais eu de moment de joie? Bon, moment de joie, j'ai travaillé à la Sosa Place. Et puis, à la mairie aussi. Malheureusement, il est parti, malheureusement, ce nouveau mec qui est venu, il nous avait embauché. Mais c'était déjà trop tard. Là, j'ai avancé, on a diminué l'âge. Mais après, encore l'âge nous a rattrapé. Je préfère taire son nom, parce que ce n'est pas une publicité. Bien sûr. Mais je préfère aussi lancer son nom, parce que c'est Ibrahim Bakongo. Quand il est venu, il nous a trouvé, en tout cas les agents de mairie, c'était pas trop ça. Il a dit, non, il faut que je nous embauche. Mais malheureusement, Et actuellement, vous vivez de quoi? Oh, j'ai vécu comme ça du jour au jour. Hein. Non, mais quand même, vous vivez de quelque chose parce que vous devez payer votre... Non, moi, je ne paye pas de maison parce que c'est un contrat qui a été signé entre lui et moi, entre le propriétaire et moi. Donc, je ne paye pas de maison. Donc, présentement, je n'ai pas les moyens. C'est que moi, je vends. Je suis tombé malade. Très malade. Depuis quand j'ai reçu le 5 janvier, je suis allé à la retraite. Bon, c'est dans les deux jours-là qu'ils ont commencé, ils ont dit, ils vont nous donner notre argent de retraite. Le mec, c'est ma compagnie, non. Même si vous avez fait quelques temps, il faut qu'on vous donne votre argent de retraite. Donc, on nous avait donné une moitié. C'est ça que j'ai pris pour me soigner. Et grâce au concours aussi, les acteurs, je préfère tel le nom, mais je préfère aussi dire, le réalisateur, M. Koro Abou, qui m'a aussi aidé. Qu'on a beaucoup qui fait partie de qui est, il m'a pas laissé. Qui est ton formateur? Oui, il m'a pas laissé dans la maladie. Il m'a soutenu jusqu'à ce que même il vienne même à la maison chez moi. Les gens se moquaient de moi. Elle est malade. Elle est malade. On voit pas. Il dit, mais est-ce qu'il va venir dormir là? Il est venu. Il a donné l'argent et Ami. J'ai dit merci à Ami, à ses groupes. La petite Claire, moi-même mes propres parents même là. Pour venir même si vous avez même mes habits, il n'y a pas long. Ami, elle est avec moi. Elle me donne la nourriture, elle me soigne, elle fait tout. Et quand même, j'ai remis même des gens. D'accord, donc on va leur dire merci déjà. Je leur dis merci des passages, que le Seigneur même leur rend le sentir. Mais je suis Kalamba même. Les Morois vont me touffer même. Mais moi-même, je suis Kalamba. Je vais même parler au Yoromadia. Au Yoromadia, attends. Par où je suis venu même. Yoromadia, on appelle ça cimetière. Je pense qu'on va parler. Voilà. J'ai une question. Oui. Et si vous devez regretter votre parcours, qu'est-ce que vous avez? C'est quel regret que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait que vous regrettez aujourd'hui? Je regrette parce que. Qu'est-ce que vous regrettez déjà? Je suis plus retourné en Europe. C'est ça votre regret? C'est mon regret, ça. Et de deux, où je devais être maintenant en joie, c'était côté mairie. Mais malheureusement, mon âge est avancé. Peut-être que j'ai de lutter encore jusqu'à ce que les gens de la mairie pensent, parce que j'ai aussi travaillé pour le maire, si ce n'est pas pour vous. Peut-être qu'ils peuvent avoir pitié pour prendre l'idée des enfants pour l'amener à la mairie. On ne peut jamais aussi laisser le mais dans tout ce qu'on a parlé, on n'a pas parlé de votre maman. Ma maman? Oui. Ma maman, elle est vite morte. Ma maman est morte en 78, où on faisait le nouveau hôpital de Kumasi là, ça c'est en 78. J'étais très jeune, puis ma maman est décédée. Donc moi j'ai vécu comme ça, hein. J'ai vécu, en tout cas dans le vide, ça veut dire dans la jungle. Tout ce qui m'a fait, parce que je suis scout. Donc je suis habitué à la souffrance, à la bonté, à la joie. On ne peut pas parler aussi de la maman sans parler du papa, du père. Bon, mon papa, en tout cas, c'est un petit témoignage de mon père. Mon papa est mort le 6 juin. 1976. Ça veut dire que vous êtes orpheline actuellement, voilà, de père et de mère. De père et de mère. Et heureusement, je consulte quand même un petit bâtard. Quand je vais au village, je suis déjà loin. Je sais où je vais me corrompre. Je n'en vis personne. Donc vous partez au village, vous avez l'habitude de partir? Oui, je vais, mais quand je vais là, les morts sont prêts. Hein. Moi aussi, j'ai lancé une guignée ou un sapin de foyon. Quand les gens meurent, je vais au funérailles. Le temps qu'ils vont savoir si on enterre les morts, les foyants, je prends mon oui, il faut le village.
D'accord, nous sommes presque au terme de notre entretien. Mm-hmm. Déjà, j'ai vu, comme je t'ai dit, tu m'affiches, vous avez fait la Suède, la Finlande, est-ce que vous parlez suédois? Bon, quelques comme il y a suédois. Longtemps de cela, mm-hmm. Donc comme je n'oublie pas, c'est plus norvégien. D'accord. Et plus finlandais. Que tu comprends bien. Voilà. Mm-hmm. Le finlandais, le bonjour, mm-hmm. c'est Hyvä Päivä. Comment? Hyvä. Paiva. Oui, va Paiva. Ouais. D'accord. Lui va Wometa. Lui va Ilta. C'est-à-dire matin, midi, soir. Lui va Paiva, c'est matin. Lui va Wometa, Ilta, c'est le soir. Maintenant, quand eux comptent de 1 à 10, ou bien où tu es quitté en finlandais, ils disent Mita Yaisut. D'où viens-tu? Ils disent Yaisut, Lorsou, Ranko. Ils disent je viens de la Côte d'Ivoire. Wow. J'aime votre pays, Nina Rakastan Sobessa. J'aime la Finlande. Quand tu comptes ici en finlandais, tu dis Uxi, Kaksi, Kolomé, Neleya, Visi, Kousi, Seisteman, Kandesan, Idesan, Kumene. Maintenant, en norvégien, quand tu comprends un peu l'allemand, tu peux parler le norvégien. Le norvégien, bonjour, c'est Goddag. Le soir, c'est Goodvel. Tu vois. Et quand tu comptes aussi, elle tout, t'es les filles, se veut être mis de tir. D'où viens-tu? On te dit, d'où Yaifra? Tu dis Yaifra, elle fait un Christin. Ouais, super. Yaïli, qu'elle est orgueille, j'aime la Norvège. Minora Castasino, moi je t'aime. Ça, c'est en Norvège. D'accord. Et il paye, tu n'as pas d'argent. D'accord. Mademoiselle, qui prie Nani Amélie dit la bienvenue Nouchi. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton passage ici à Théban? À Théban, ça veut retenir beaucoup pour dire que dans la ville, Nima sa Kobepe du Mika. Donc soyez. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à penser à la souffrance pour jamais transformer la vie de bon côté seulement. Il faut continuer la vie du mauvais côté, du bon côté, pour dire que donc, quand tu résides, tant que tu n'es pas mort, tu vas résister. Les gens t'ont souffert pendant des années, et puis à la dernière minute, et puis les doigts ont pété, ils disent les apportants, les insultants, et les doigts ont pété. C'est si tu es à douce là pour toi, quoi, paniquer quoi, c'est un bonsoir. Mais comme disait Saint Kalamagi, il me donne assez d'énergie. Son passé noir est dans moi. Là, elle est ainsi qu'en bas. Maintenant, il va prêcher maintenant Jésus. Tellement que pendant même à douce là. Du coup, il a failli douce là. Maintenant, quand il est tango là, il est brûlé les morts. Il dit donnez-vous à Jésus. Parce qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas mort ni quoi. Quand il parle de Jésus là, mon même sans tournant, mais il tremble. Ça veut dire que les sorciers tremblent. Donc, c'est Jésus même qui est mort. C'est lui-même, tu vois, non? Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez écouté Kipre Nane Amélie. Dit la bienvenue, elle a reçu beaucoup de coups dans la vie. Et c'est ça la vie, rien n'est facile sur la terre. Et pour notre propre plaisir, on souffre souvent. Il faut se battre dans la vie. Parce qu'il faut lutter, il faut lutter, il faut lutter. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve au prochain numéro. Et c'était Ateba. C'est moi, je vous dis merci. Merci.